Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans ces temps de crise que traverse le monde entier, l'État égyptien a décidé de fournir un peu plus des paquets de protection socio-économique. Comment, pourquoi, notamment dans le domaine de la santé, c'est ce qu'on va savoir bien sûr durant les prochaines minutes de cette nouvelle édition de Direct, votre émission presque semi-quotidienne. Si je peux dire, durant le mois d'août, il y avait une réunion très importante tenue par le chef de l'État, monsieur le président Abdel Fattah el-Sissi, avec le Premier ministre Dr. Mustapha Madbouly et le ministre de la Santé de la Population, Khaled Abou Afar, bien sûr, avant le remaniement ministériel qui a eu récemment. Et qui a été plutôt effectué récemment aussi en Égypte. Il y avait donc cette réunion a soulevé plusieurs points essentiels dont les instruments utilisés par l'Égypte afin d'alléger un peu plus les souffrances des gens dans le domaine de la santé. Quels sont ces points? C'est ce qu'on va savoir bien sûr dans la deuxième partie de cette édition, mais très très rapidement. Nous devons jeter un coup d'œil sur, une décision très importante qui a été prise aujourd'hui, ou qui a été annoncée plutôt aujourd'hui matin. Le président Abdel Fattah el-Sissi a nommé le gouverneur sortant Tariq Amer comme conseiller du président de la République. Le chef de l'État remercie M. Tariq Amer pour ses efforts durant son mandat à la tête de la Banque centrale. De son côté, M. Amer a adressé ses remerciements, sa gratitude au président Sissi pour son soutien durant son mandat en tant que gouverneur de la Banque centrale d'Égypte. Il a déclaré qu'il avait présenté sa démission au président Sissi pour donner l'occasion à de nouvelles perspectives et à favoriser de nouveaux horizons. D'autre part, on trouve que le Premier ministre Dr. Mustapha Madbouly a inspecté aujourd'hui un nombre de projets de services de développement lors d'une tournée au gouvernorat d'Alexandrie. Le chef du gouvernement a été accompagné par plusieurs autres ministres. Et en fait, cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées effectuées par le Premier ministre dans le gouvernorat pour le suivi de déroulement des travaux dans les projets en cours d'exécution. Bien sûr, il y avait toujours, si je puis dire, des activités, visant à suivre les travaux en cours sur le terrain pour concrétiser les buts ou pour même atteindre les buts, les objectifs de quelques initiatives socio-économiques comme vie décente, comme après ça on va savoir 100 millions de santé. Mais justement, je dois vous laisser avec Salam Marabi pour vous donner plus d'explications en ce qui concerne cette visite effectuée aujourd'hui matin par M. le Premier ministre. Le Premier ministre Mustapha Madbouly a affirmé que les projets de l'initiative Vie décente figuraient parmi les principales priorités du gouvernement, soulignant le souci de suivre l'état d'avancement des projets de cette importante initiative présidentielle dans tous les gouvernorats, selon les calendriers établis, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sissi de procéder à la mise en œuvre de ce méga projet national visant à améliorer la qualité de vie des citoyens. Dr. Madbouly a effectué ce matin une visite dans le gouvernorat d'Alexandrie, alors qu'il a inspecté un certain nombre de projets de l'initiative présidentielle Vie décente dans le village d'Abou Sir, affilié au chef-lieu de Bourg el-Arab, accompagné du gouverneur d'Alexandrie, du chef adjoint de l'autorité du génie des forces armées et des deux sous-gouverneurs. Le chef du gouvernement a écouté une explication détaillée sur les projets de l'initiative Vie décente, mise en œuvre par l'autorité du génie des forces armées dans le gouvernorat d'Alexandrie. De son côté, le chef adjoint de l'autorité a indiqué que l'autorité met en œuvre 86 projets dans le cadre de l'initiative présidentielle, dans 4 villages et 45 chefs-lieux à Bourg el-Arab et Alexandrie, desservant environ 135 000 personnes, soulignant que 27 projets avaient été achevés jusqu'à présent.
Lors d'une tournée d'inspection au port de Dekhila, le Premier ministre s'est enquis de l'avancée des travaux dans le port en compagnie de ministres et de responsables concernés. Le ministre du Transport, Kamel El-Wazir, a expliqué que les projets de développement des ports égyptiens étaient exécutés par des sociétés égyptiennes et nationales avec l'aide de conseillers égyptiens internationaux, ajoutant que le coût total de ces travaux, qui s'étendent dans la période 2014-2024, était évalué à 129 milliards de livres égyptiennes. Le projet de développement des ports égyptiens prévoit la construction de nouveaux quais d'une longueur de 35 km et d'un tirant d'eau allant de 15 à 18 mètres qui porteront à 73 km la longueur totale des quais, l'édification de digues anti-vagues sur une distance de 15 km, l'approvisionnement des voies de navigation pour que les ports puissent assimiler jusqu'à 370 millions de tonnes au lieu de 185 millions par an, et plus de 22 millions de conteneurs équivalents, 20 pieds EVP, au lieu de 12 millions par an. Donc, comme vous venez de regarder, des initiatives qui visent à lutter contre ce qu'on appelle la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire pauvreté, maladie, manque d'emploi. Donc, comme vous avez suivi dans ce reportage, il y avait des efforts afin d'améliorer, bien sûr, la qualité de vie des citoyens, mais aussi, à travers de telles initiatives, on essaye de créer une gamme d'opportunités d'emploi pour le jeune spécialement. Et bien sûr, le jeune acquiert de plus en plus une importance, une priorité aux yeux de l'administration égyptienne. C'est ce qu'on va savoir bien sûr dans la deuxième partie de cette édition. Mais au niveau du marché, on trouve que le ministère de l'Intérieur poursuit plutôt ses campagnes quotidiennes pour contrôler les prix des denrées stratégiques et suivre le monopole des produits par certains marchands en vue de les vendre à des prix beaucoup plus élevés. Le ministère a confisqué durant ces dernières 24 heures 165 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires. En ce qui concerne le monopole des denrées stratégiques et des produits subventionnés, la police a saisi 65 tonnes de denrées. Le ministère de l'Intérieur a aussi saisi 98 tonnes de produits vendus à des prix plus élevés après avoir refusé de déclarer leur prix. S'agissant des affaires de la fourniture de blé, le ministère de l'Intérieur a saisi 151 tonnes de blé local. Concernant les affaires des boulangeries, la police a saisi 161 affaires, dont 145 affaires concernant des niches non conformes aux spécifications. Donc, encore une fois, des initiatives pour améliorer la qualité de vie des Égyptiens. De l'autre côté, il y a toujours du surveillance, de contrôle, ces prix qui, bien sûr, s'amplifient sur le marché. C'est pourquoi l'État égyptien essaie toujours de freiner cette amplification, l'inflation qui frappe les prix à travers plusieurs instruments. Donc, encore une fois, nous devons ainsi arriver à un autre sujet principal d'aujourd'hui. Il s'agit de l'Égypte qui accorde un intérêt inédit à la santé publique. Le secteur de la santé figure en tête des priorités du président Abdel Sisi, qui s'est personnellement impliqué dans ce dossier en parrainant de multiples initiatives pour préserver la santé publique. Parmi ces avancées, la réduction des files d'attente pour les patients, notamment en besoin d'intervention chirurgicale, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Donc Salma Rabi va vous donner plus d'explications. Après ça, c'est le temps des analyses avec notre invité. «
Sous l'impulsion du président Abdel Fattah el-Sissi, l'Égypte a lancé une vaste campagne de dépistage de l'hépatite C et des maladies non contagieuses, ayant permis d'ausculter près de 50 millions d'Égyptiens et de résidents étrangers et de fournir un traitement à bas prix par rapport aux autres pays du monde. Au-delà de l'hépatite C, cette campagne nationale a baptisé 100 millions de citoyens sains. C'est étendu aussi aux établissements scolaires pour traiter les cas d'obésité, d'anémie et de rachitisme. D'autres actions ont suivi pour sensibiliser la population à l'importance de mener une vie saine et aux méfaits du tabac. L'État a en outre accordé un intérêt particulier au traitement des enfants hypoacousiques et à la santé de la femme exposée à des maladies comme le cancer du sein, le diabète, l'hypertension et l'obésité. Près de 4,5 millions de femmes ont pu jusqu'ici bénéficier de cette initiative. Lancée en octobre 2018, l'initiative vise à débarrasser l'Égypte du virus C et à réduire les décès dus aux maladies non transmissibles qui représentent environ 70% des décès en Égypte. Le ministère de l'Enseignement supérieur a participé à cette campagne à travers 110 hôpitaux universitaires dans tous les gouvernorats. Plusieurs autres initiatives ont été lancées, dont l'initiative Une vie décente, ou Haya Karima, l'initiative des prisons sans femmes endettées, l'initiative pour détecter l'obésité, le retard de croissance et l'anémie chez les enfants, l'initiative Nour Haya, lumière de la vie, pour lutter contre la faiblesse et la perte de vision, l'initiative Hôpitaux Modèles, lancée en juillet 2018, en attendant la mise en place du projet d'assurance maladie complète, et l'initiative visant à éliminer les listes d'attente dans les hôpitaux. Le ministère de la Santé et de la Population a lancé la première phase de l'initiative en 2018, dans le but d'alléger les souffrances de milliers de patients. Certains ministères ont concrétisé ces initiatives présidentielles en lançant des programmes précis. C'est le cas du ministère de la Planification et du Développement économique qui a lancé le projet national pour le développement de la famille égyptienne 2020-2023. Il comprend de multiples axes économiques, culturels, législatifs, médiatiques et de sensibilisation et favorise en plus la transformation numérique. Le périmètre géographique du projet inclut toutes les villes égyptiennes. Ces différentes initiatives qui visent à réaliser les objectifs reconnus internationalement de développement durable ne peuvent être complétées sans la persévérance et le soutien des citoyens et des différents secteurs. Donc, nous arrivons ainsi à la deuxième partie de cette édition et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct à partir du studio de l'Inter International, Madame la docteure Nadia Nazir, psychologue. Vous êtes psychiatre. Psychiatre plutôt. Vous êtes toujours le bienvenu sur la bienvenue sur l'Inter International. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, nous allons soulever quelques points ou plusieurs points plutôt. Au cours de cette discussion avec docteur Nadia Nazir, en ce qui concerne les points qui ont été soulevés pendant la réunion qui a regroupé monsieur le président de Fattah el-Sissi et le Premier ministre en ce qui concerne la santé en Égypte. Au début du mois d'août, le président a donné des directives de cristalliser des programmes de soutien, de stimulation aux médecins, de développer leur système de financement pour augmenter leurs revenus, améliorer leur environnement de travail, en particulier dans les spécialités médicales rares. Le président a de même ordonné d'accorder des privilèges spéciaux aux médecins travaillant dans le gouvernorat éloigné. Il a de même donné des directives de modifier tous les systèmes d'affectation plutôt des médecins. Donc ma question porte sur comment vous avez pensé à la nécessité d'améliorer l'environnement de travail des médecins en général ici en Égypte, et ça à la lumière de telles décisions prises par le président Abdel Fattah el-Sissi. D'abord, je vais dire que grâce à Dieu et grâce aux les efforts du gouvernement, et aussi, on doit dire, grâce aux les initiatives présidentielles du président Abdel Fattah el-Sissi, nous voyons beaucoup d'améliorations
de niveau de services sanitaires en toute l'Égypte. Plus de lits, plus d'hôpitaux, plus d'assurance sanitaire pour presque tout le monde, éradication de l'hépatite C, combattre contre le cancer des seins, de prostate, de colon, de poumon, de n'importe quel organe, et aussi la santé de femmes spécialement, et aussi l'éradication de listes d'attente des opérations chirurgicales, et très très bien. Un chapeau pour ces efforts. Oui. Ça m'amène à une autre question. Vous voyez le suivi de président de la situation exécutive d'un certain nombre d'initiatives présidentielles dans le secteur de la santé des citoyens, des universités, de la recherche scientifique. Et donc ma question, c'est comment ça révèle bien la priorité accordée par le président à l'amélioration de la santé des Égyptiens et qui représente l'élément capital dans chaque processus de développement. Bien sûr, bien sûr. Amélioration de niveau de santé, et ça, bien sûr, sera vu dans la production de ces citoyens, l'économie du pays, aussi le niveau de, des étudiants et des élèves aussi quand ils sont en bonne santé, ils vont travailler mieux, ils vont leur niveau sera amélioré concernant l'éducation, la cultivation et comme ça. Oui. En fait, j'ai une nouvelle très importante, c'est à vous de commenter. L'Université du Caire a bondi de 100 rangs dans le classement Shanghai. Et l'université est la seule des universités égyptiennes parmi les 400 meilleures du monde, sur un total de 30 000 universités, selon les affirmations du président de l'université, Dr. Mohamed Ousmane Al-Kosht. L'université poursuit ses réalisations dans le dossier des classements mondiaux, ce qui confirme sa distinction et sa position avant-gardiste, tant sur le plan local et régional que sur le plan international, selon toujours le président de l'Université du Caire. Donc, ma question porte ici, bien sûr, après votre commentaire, porte sur les efforts de l'État afin d'améliorer un peu plus la performance des recherches scientifiques, la performance des universités. Et ça, comment ça s'est révélé sur leur classement mondial? Classement mondial de nos universités est très très important. Pourquoi très très important? Quand un docteur nouvellement gradué va au l'Angleterre, l'Europe, l'Amérique par exemple, il aura un travail tout de suite. Il ne sera pas obligé de faire l'égalité, le muadla et comme ça, ils vont considérer son certificat niveau tout de suite parce que l'université est très bien concernant le classement mondial. Oui. En fait, de retour à la réunion entre le président et le premier ministre, ainsi que ça a été en présence du ministre de la Santé, la réunion a connu la présentation de la situation épidémiologique du virus coronavirus au niveau de la République, ainsi que de le taux de vaccination reçu qui est actuellement disponible à partir des doses supplémentaires de vaccins. Donc ma question porte sur comment vous suivez ou observez les efforts gouvernementaux visant à contrôler le coronavirus en Égypte et les autres mesures prises par le ministère de la Santé pour faire face aux autres virus ou aux varioles des singes. Vraiment, grâce à Dieu, l'Égypte est un pays qui a
dépassé cette pandémie, presque dépassé cette pandémie avec beaucoup de succès. Ouais. Mieux que des autres pays, même les grands pays. Mais on doit dire toujours, on doit suivre les précautions, on doit répéter et répéter ce qu'on doit faire pour éviter l'infection avec ce virus. Ouais. Je crois que nous avons actuellement en ligne de NAN TV International Dr Amani Abouzeid. C'est une professeure à l'Université du Caire. Madame Amani, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Bonsoir, ça va? Oui. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma question porte sur, premièrement, comment vous avez vu l'amélioration du niveau d'Université du Caire au classement général de Shanghai? De Shanghai? Je ne sais pas combien, très bien compris la question. Vous voulez savoir comment l'Université du Caire a fait améliorer par quoi, le débit de Shanghai? Oui. C'est quoi? Oui, oui, oui. Comment et pourquoi il y a une sorte d'amélioration dont, au niveau de la performance de l'Université du Caire? C'est pourquoi il y avait, si je peux dire, un impact très positif de ça sur leur classement international, d'après le classement de Shanghai. Oui. Oui. Est-ce que, par exemple, l'utilisation de nouvelles technologies, l'intensification de recherches scientifiques, l'expansion dans le domaine de recherche scientifique, est-ce que c'est le financement? Oui, je pense que vous savez, je suis dans le niveau de médecin. Alors, je travaille dans l'état de la médecine, de Grosse-Laine Hôpital. Ouais. Et peut-être je n'ai pas beaucoup d'informations à part de là. Oui. Donc, j'ai une autre question à vous proposer. C'est comment vous suivez jusqu'à maintenant la situation épidémiologique du coronavirus et comment vous évaluez même les efforts déployés par l'État égyptien, par le gouvernement égyptien, afin de faire face à de tels virus comme le coronavirus ou la variole des singes? Oui, pour la situation de l'épidémie, je pense qu'on est bien. On a changé le protocole de la santé à propos de le COVID-19. Et maintenant, les patients, le numéro de patients, ce n'est pas beaucoup, mais je pense que c'est parce que ce qu'on a fait d'Égypte à propos du vaccin. Ouais. C'est pour cela qu'on est maintenant, la situation, c'est bien. Oui. Docteur Amani Abouzeid, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NAN TV International. Et donc, chers téléspectateurs, je dois actuellement vous proposer un reportage qui va jeter plus de lumière sur l'OMS qui soutient l'initiative égyptienne 100 millions de citoyens, de citoyens sains, ou la santé des 100 millions de citoyens. C'est une initiative qui vise ou qui a beaucoup de visées, beaucoup d'objectifs, dont on va bien sûr, qu'on va bien sûr vous proposer à travers le reportage de Salon Marabout. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, Tedros Adhanom, a adressé ses remerciements au président Abdel Fattah el-Sisi pour avoir parrainé l'initiative 100 millions de citoyens sains visant à éradiquer l'hépatite C et les maladies non transmissibles. Il a affirmé avoir constaté l'engagement infaillible du gouvernement à poursuivre les initiatives visant à améliorer la santé du citoyen. Il a qualifié la campagne 100 millions de citoyens de la plus grande sur le plan mondial, sachant qu'elle a permis d'examiner 60% de la population égyptienne
évoquant la fierté de l'OMS d'accompagner cette campagne qui œuvre au dépistage du virus C, mais aussi des maladies non contagieuses comme le diabète, l'obésité et l'hypertension. Le responsable de l'OMS a également loué la campagne du gouvernement égyptien pour le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Monsieur Adhanom avait affirmé que l'un des plus importants facteurs de réussite de cette campagne nationale était le haut sens de responsabilité dont a fait montrer l'État égyptien envers ses citoyens, révélant que l'OMS étudiait les moyens de tirer profit de l'expérience égyptienne à cet égard pour lancer une campagne similaire dans d'autres pays. Pour sa part, le représentant de l'organisation onusienne en Égypte avait rappelé que l'OMS avait opéré une transformation qualitative dans la mise en œuvre des programmes de santé publique en Égypte et soutenait l'initiative 100 millions de citoyens sains et toutes les autres initiatives qui en sont issues sous les auspices du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sissi, en présentant le soutien technique nécessaire en coopération avec le ministère égyptien de la Santé et de la Population. Donc vous avez suivi ce reportage et ma question porte sur comment vous avez vu la réussite de la campagne sanitaire de la lutte contre l'hépatite C en Égypte et quels sont les moyens d'après vous qui ont abouti à se débarrasser de cette maladie contagieuse sur la terre des pharaons. Comment? Encore une fois, comment vous avez vu la réussite de la campagne sanitaire de la lutte contre l'hépatite C et comment vous avez vu même les réussites réalisées par l'initiative de 100 millions de santé saine. Nous avons fait beaucoup sur cette route de éradication de cette maladie hépatite C. C'était très grave et a affecté la vie des citoyens égyptiens avant. Et vraiment, les efforts sont très important et avec beaucoup de succès pour éradiquer cette maladie. Oui, oui. L'un des points soulevés pendant cette réunion, c'était l'élimination des listes d'attente consacrées aux cas chirurgicaux critiques, à travers lesquels environ 1 million et 200 000 interventions chirurgicales ont été effectuées dans diverses spécialités délicates et urgentes pour un coût total de 11 milliards 600 millions de livres égyptiennes à travers 477 hôpitaux dans tout le gouvernorat de la République. Donc ma question porte sur quel est votre commentaire à faire concernant cet accomplissement pour finir les souffrances sanitaires des familles égyptiennes. Donc on a pu venir au bout des files d'attente pour les gens qui veulent faire des interventions chirurgicales. Donc votre commentaire. Grâce à la technologie médicale. Et parce que maintenant, sur l'écran de l'ordinateur, on voit toute l'histoire de chaque malade, toutes les analyses laboratoires qu'il a fait avant, toutes les radios qu'il a fait avant. On peut arriver à un diagnostic très vite. Et n'importe où ce malade est présent, dans n'importe quel gouvernante, n'importe quel temps, tout de suite, son histoire est apparente sur l'écran. On peut arriver au diagnostic très vite. Et ça aussi diminue le temps pour l'attente pour les opérations chirurgicales et aussi réduit les dépenses et le fort et le temps de docteur pour arriver au diagnostic ou décider de faire l'opération chirurgicale. Ouais. Donc, comme nous avons vu, le succès de cette initiative a rendu l'Organisation mondiale de la santé à saluer son impact direct sur l'amélioration de la santé et des conditions économiques des familles égyptiennes. Ma question porte sur comment vous trouvez l'efficacité de telles initiatives gouvernementales dans la lutte contre ce qu'on appelle
la pauvreté multidimensionnelle au niveau de l'Égypte. Comment de telles initiatives socio-économiques sanitaires rendent les citoyens de plus en plus conscients qu'ils récoltent les fruits de la réforme économique en Égypte? Encore une fois, comment donc de telles initiatives visent à améliorer la santé des Égyptiens, mais aussi la qualité de leur vie? Comment vous trouvez les efforts gouvernementaux déployés à cet égard? Et le citoyen, maintenant, trouve soi-même respecté et il peut avoir son droit. Il trouve l'égalité de la service sanitaire entre les citoyens de régions rurales ou régions urbaines. Tous peuvent arriver à la service sanitaire n'importe quel village ou quelle grande cité. C'est bien sûr, c'est-à-dire le citoyen maintenant pense qu'il est plus respecté et plus près de ses droits et ses services sanitaires. Oui. En fait, le président Abdel Fattah Sisi a ordonné d'augmenter les ressources financières allouées pour soutenir l'initiative de faire éliminer les listes d'attente concernant les opérations chirurgicales. C'est pourquoi le président a donné ses directives d'augmenter les ressources financières de 600 millions de livres égyptiennes, donc c'est une somme supplémentaire, et d'augmenter en même temps les programmes de sensibilisation des médias consacrés aux citoyens afin de les informer sur la façon dont bénéficier de manière simple et ce pour contribuer ainsi à soulager les souffrances des citoyens qui sont malades. Ma question porte sur comment vous trouvez l'importance du rôle des médias dans la sensibilisation des gens de leurs droits ou dans les temps des épidémies, de leurs droits sanitaires ou des initiatives présidentielles qui visent à améliorer leur santé. Bien sûr, le média a un grand effet sur le peuple. Presque 10 heures par jour, le peuple regarde la télé, par exemple, ou leur téléphone mobile porteur, portable. Alors, le média a un grand effet sur la sensibilisation des citoyens pour améliorer le niveau de conscience de leurs droits médicaux et les services sanitaires présents autour de lui, et aussi comment lutter les pandémies ou combattre contre les maladies infectieuses. Ouais. Nous devons nous arrêter un peu plus devant cette initiative présidentielle qui vise à éliminer les listes d'attente des interventions chirurgicales, car elle est exécutée à travers 477 hôpitaux au niveau de tout le gouvernorat de la République. Aux yeux des étrangers, comment ça montre que l'Égypte dispose d'une bonne infrastructure sanitaire? Comment ça rend l'Égypte de plus en plus un centre médical et sanitaire qui attire le tourisme thérapeutique? Et c'est à noter même que l'Égypte accueille les réfugiés, les blessés à cause de guerres qui se déroulent dans la région arabo-africaine pour qu'ils reçoivent un bon traitement très distingué en Égypte alors qu'il leur manque dans leur pays propre. Donc, encore une fois, comment de telles initiatives ou l'application de telles initiatives d'une manière réussite montre bien que l'Égypte est devenue un centre médical aux yeux des étrangers.
qui attire les étrangers. Le tourisme thérapeutique, c'est très, très important. Ouais. C'est un type de tourisme qui est très important et aussi ça donne le pays beaucoup de devises, ouais, beaucoup de profits. Et nous avons le sable noir, nous avons Helouan, nous avons les Oasis, nous avons le mer rouge, nous avons beaucoup de régions qu'on peut profiter pour attirer le tourisme thérapeutique. Oui, mais je parle... Concernant le rhumatoïde, par exemple, oui, la maladie. Mais je parle spécialement des hôpitaux, parce qu'il y a presque 500 hôpitaux, 477 avec plus de précision, des hôpitaux qui ont pu arriver à faire réussir l'initiative visant à faire des opérations chirurgicales pour les gens. Donc comment ça montre que l'Égypte possède une infrastructure sanitaire sophistiquée? Et comment ça va attirer un peu plus ce qu'on appelle le tourisme thérapeutique? C'est-à-dire les gens vont préférer de faire une opération chirurgicale ici en Égypte. Ouais. Bien sûr, ça va donner le pays beaucoup d'importance concernant le tourisme mondial. Parce que tout le monde, quand il choisit un pays pour tourisme, ils veulent être sûrs que le service sanitaire et chirurgical surtout est très bien. Pourquoi ils vont aller aux autres pays quand l'Égypte peut donner ce service chirurgical très bien? Et avec aussi des autres types de tourisme, il peut après avoir le service chirurgical, il peut continuer son vacances dans des autres types de tourisme. Oui. J'ai une question à propos d'un point qui a été suscité pendant cette réunion tenue par le président avec les responsables gouvernementaux. La santé des femmes, la détection précoce des tumeurs, la promotion de la santé maternelle faut-elle au niveau de la République? Comment vous trouvez les efforts gouvernementaux déployés à cet égard? Très, très, très bien. Bien sûr. J'ai vu ça moi-même, comment les femmes vont au centre pour être examinées et pour détecter aucun cancer très tôt. Vraiment, maintenant, les femmes vont au centre courageuses. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Mais maintenant, les femmes ont le courage d'aller et d'avoir leurs droits sanitaires et de chercher l'examination et tous ces services sanitaires. Oui. En ce qui concerne le système d'assurance médicale universelle ou d'assurance maladie, comme on dit, l'Égypte veut bien sûr l'appliquer d'une manière de plus en plus expansionnelle au niveau de tout le gouvernorat de la République. Vous avez des commentaires à faire à propos de ce système, Tamin Sahih? Bien sûr. Moi, j'ai travaillé au l'assurance sanitaire. J'ai l'habitude d'écrire prescription, par exemple, les prix 1000 livres égyptiens. Sinon, s'il n'y a pas ce service, le parent, par exemple, ne peut pas acheter tout ça pour son enfant. Nous écrivons des recettes. Par exemple, 2000 livres égyptiens. Alors, c'est très, très bénéficiaire pour les étudiants et les enfants, surtout les maladies chroniques,
comme épilepsie, schizophrénie, maladie cardiaque, comme ça, alors l'assurance sanitaire est très, très, très importante. Oui. Docteur Nadia Nazim, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci. Merci à vous. C'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.